Ça va tout le monde? En forme? On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième séance de gym dynamique de la semaine, toujours avec maman. Alors hier, on a travaillé un peu le haut du corps. Aujourd'hui, ce sera plutôt le bas, même s'il y a quelques exercices qui vont concerner le haut, des rappels d'hier d'ailleurs. Vous verrez, on devrait s'en sortir. Avant tout, échauffement. Alors l'échauffement, ça s'appelle jumping jack. C'est un peu bizarre, on crée un petit saut. Si jamais le saut est dérangeant, vous ne faites pas le saut, vous déplacez vos pieds. Vous allez voir, on va faire les deux exemples, ça devrait très très bien se passer. Alors, simple, on se met droit dans un lit, voilà, et pendant 20 secondes, on va chercher à ouvrir ses jambes et ses bras. Hop, et je referme, tac, et tac. Si c'est trop dur, on fait, hop, vous voyez, plus lentement, sans le petit saut. On fait en fonction de ce qu'on est capable de faire. Allez, maman est partie, je compte encore jusqu'à 10 pour clôturer ton échauffement. Plus 9, 8, allez, on respire, hein. 7, élévation du myocarde, muscle du cœur, encore, 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 plus 3, 2, encore une, parfait, petit coup. Premier exercice de la série, box poids, comme hier, 20 secondes, vous vous rappelez, je fléchis légèrement mes jambes, je m'ancre dans le sol, je gaine au niveau de la taille, et c'est parti, je boxe devant moi, pendant 20 secondes, encore, 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 je suis stable, je maintiens un travail des épaules, les muscles du dos, pectoraux, bras, très complet comme exercice, notamment pour le haut du corps, allez. J'ai les fesses serrées, les abdominaux contractés. Il me reste plus que 9, 8 encore, 7, allez, 6, 5, 4, 3. On adapte les poids en fonction de ses capacités. 2, plus qu'une, et on peut reposer. On pose les poids par terre en parlant de ça. Vous savez comment les boxeurs dorment le soir? À poids fermé. C'est juste l'histoire de. Et suivante, flexion à un seul pied. Alors, je vais donner à maman au cas où un bâton, j'ai juste à côté de moi, n'hésitez pas vous à prendre un manche à balai chez vous si besoin. Hop, on tient, on le met dans une main, c'est vraiment histoire de gérer son équilibre. On se met sur un seul pied, et on va fléchir sur un pied et retombe. 10 fois par jambe. Je vais le plus bas possible. Allez, je suis à 2, 3, 4, encore, 5. J'essaie d'être appuyé sur le talon. 6, comme si je pouvais décoller mes orteils. 7, encore. De manière à travailler vraiment le muscle du quadriceps devant la cuisse. 8, encore. Les fessiers se contractent. 9, la dernière. Et 10, on change de côté. Même principe. Allez, première tour. On est stable, hein? Bien gainé. 1, encore. 2, 3, on reste aligné. Le regard face au mur qui est devant vous. 4, 5, 6, encore, c'est ça, 7, comme si on pouvait lever les orteils sur le pied qui est posé au sol, 8, 9, et la dernière, et 10, on pose, on reprend le bâton, le met de côté, on n'en aura plus besoin, normalement, avant la prochaine série. Étape suivante, grand pas chassé, on se met au bout de son tapis, et on va chercher à descendre, ouvrir, hop, rassembler ses pieds, remonter. On recommence, on descend, on ouvre, hop, et on remonte. Encore. Allez, je compte jusqu'à 20. C'est déjà 3. Bien, je remonte. Je descends, je pousse fort sur le côté, je remonte. 5. Bien. 6. L'important, c'est de garder la même ligne quand on fait son pas chassé. C'est-à-dire, on baisse son centre de gravité. On cherche vraiment à être au ras du sol, de manière à contracter les fessiers, le tenseur du fascia lata, les cuisses, en fait, l'ensemble des muscles du bas du corps. Hein. Tout est à peu près concerné. Encore. Oui, mais je suis bonne nouvelle, je suis déjà à 11. Ça veut dire qu'il ne reste plus que 9. Ça commence à chauffer. Allez, vite. On continue. Plus que 7 maintenant. Allez, on enchaîne. 6. 5. Ça va commencer à titiller au niveau des cuisses. 4. 3. Pensez à respirer, c'est grâce à l'oxygène que vous tiendrez dans le temps. Plus que 2. Une dernière. Parfait. On remonte. Exercice suivant. Là, on va faire de rampes à chaussée, on va faire tout petit, vous allez voir. On se met au bout de son tapis, on fléchit comme tout à l'heure, et on fait de tout petits appuis pour parcourir l'ensemble de son tapis. Des tout petits, comme si on parcourait le tapis centimètre par centimètre. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Pardon. Encore. Alors, on va essayer de réaliser 10 allers-retours. Bonne nouvelle, pour maman, je suis déjà à 4. Ouais, je vais vite, je vais vite. Je sens que ça chauffe au niveau de cette cuisse. On descend un peu plus si on est capable.
Je me mange un peu, il m'a fait faire 3 séances de pilates avant. Allez, encore. On y est presque. Plus que 4 allers-retours. Plus que 3 allers-retours. Oh, ça brûle. Plus que 2. On s'aperçoit que ces pas deviennent de plus en plus grands. L'idée, c'est vraiment d'essayer de garder ces petits pas le plus possible le long du temps. Mais c'est dur, hein. On a envie de faire de plus grands pas au fur et à mesure. Allez, c'est le dernier aller-retour. On essaye de faire toujours de tout petits appuis. On peut retendre ses jambes. Ça chauffe. Ça, c'est bien. Bon, dernier exercice de la série, zigzag. Ceux qui font du gravity doivent connaître. Alors, j'ai déjà mis, moi, mes deux petits plots, à peu près, je dirais, 3-4 mètres. L'idée, ça va être, une nouvelle fois, position jambes fléchies, hop, d'essayer de faire un peu Michael Jackson. C'est-à-dire, hop, je déplace les talons, les orteils, sans que la ligne de mes hanches, de mon bassin, ne monte. Plus on est à l'aise, plus on fléchit ses jambes. On essaye, sur ces 3-4 mètres, de faire 3 grands allers-retours. Ça va pas vite, hein? Sauf si vous avez vraiment Michael Jackson dans la peau, ce qui est possible. Allez, encore. Le twist. Voyez le twist. Elle danse super bien. Danse toujours, d'ailleurs, toujours très très bien. Allez, encore. Je balance mes hanches. Oui, travaille également les obliques sur cet exercice. On s'en rend pas compte, hein. Mais les abdominaux qui sont sur le côté de votre ventre, là, sont mobilisés. Allez, et je bouge, j'enchaîne, encore. Hop. Allez, on continue. On a la moitié. Elle a fait un aller-retour et demi sur nos 3. Allez, encore. Alors, plus facile avec des chaussettes, hein. Des fois, ça râpe autrement quand on est pieds nus. Ça glisse, on a des chaussettes. Allez, plus qu'un aller-retour. On y est presque. Et sur le parquet aussi. Réfléchis davantage, on est capable. Voilà. On abaisse son centre de gravité. Allez, courage. Quelques déhanchés, on y est presque. Allez, c'est le retour. Encore. Oui. Quelques centimètres. Et parfait, on peut souffler. Bon, c'est une séance un peu plus dure aujourd'hui. Donc, 3 séries suffiront, d'accord? Donc, tous les exercices que l'on a fait, on les répète encore et encore. 1 minute 30 de pause entre chaque série. Mais maintenant, vous en avez l'habitude, donc je n'insiste pas. On vous dit à la semaine prochaine. Bon week-end. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures physiques. Allez, à bientôt. Au revoir.